surtout ne pas laisser les enfants jouer avec ces méduses. Bon, les enfants sont très curieux, donc en fait quand les méduses sont mortes, elles viennent se déposer sur la plage à marée descendante. On a quelquefois l'occasion de trouver ces méduses posées sur le sable. Donc être vigilant à ce que les enfants ne touchent pas les méduses et qu'il n'y ait surtout pas de contact avec les muqueuses. Dès l'instant où il y a un contact en fait avec les méduses, bien sûr sortir de l'eau et localiser où les filaments en fin de compte ont déposé cette matière un petit peu urticante. Qui se trouve sur les filaments en fait de la méduse. Il faut en fin de compte enlever le dépôt qui s'est déposé sur la peau. Alors soit à l'aide de sable mouillé en guise, on va dire un petit peu le côté abrasif du sable pour enlever le dépôt qui s'est mis sur la peau. Ou alors si on a une carte, on va dire type carte bleue, céder de cette carte là, on garde une carte de grande surface pour en fait racler en fait là où le dépôt s'est fait sur la peau. Et après on rince à l'eau. Si la démangeaison continue, les gens peuvent se présenter au poste de secours.